Salut toi, faudrait que je t'explique vite fait pour ton inverteur comment ça se passe. En fait, t'as 4 vis, tu vois, sur l'écran. 1, 2, 3 et 4. Une fois que t'as enlevé les petites mousses, si tu les as encore, et enlevé la batterie, tu mets ton écran à plat, t'enlèves ces 4 vis là, et ton inverteur il est là au milieu. Alors, une fois que t'as enlevé les 4 petites vis, avec un tournevis aimanté, c'est mieux. Donc ensuite, tu prends ça, petit truc pour téléphone, tiens, et tu le déclipses tout le long. Là. Tiens, on est toujours des deux mains, c'est mieux, mais en gros c'est ça. Là, tac, tu le déclipses tout le long. En faisant attention de ne pas te casser, parce que moi je m'en fous, tu es mort, mais le tien y est pas. Toi, tu fais tout le tour. Quand tu as enlevé tout le tour, tu mets ta main intérieure au milieu et tu pousses pour pouvoir le lever légèrement. Tu vois, ça sort tout seul. Tu vois, sans rien casser. Et ton inverteur, il est là. Donc, il se débranche ici. Il se débranche là. Et tu as cette vis là. Cette vis là. Une fois que ces deux vis sont enlevées, tu peux l'écarter. Tu vois, tu peux le récupérer par là. Et tu débranches les deux fils qu'il y a là et là. Donc tu vois, moi j'ai écarté un peu les pattes là, les deux petites pattes en alu, et je l'ai tourné comme ça pour le sortir, pour le débrancher sur ces deux fiches là, la noire qui est je sais pas où là, celle là qui venait ici et celle là qui venait en face.